Et on passe à notre chronique, on en parle cette semaine. Merci d'être avec nous, Hervé Adounou. Vous êtes pharmacien en région parisienne. Lise Laure, on s'intéresse donc ce soir aux médicaments contrefaits. Oui, Linda, et à la suite de l'explosion du trafic constaté par Interpol et de nombreuses saisies, voici la question que nous vous avons posée. Médicaments contrefaits, quels sont les risques? Alors, Marisa Ekolo à Yaoundé constate plutôt que les médicaments sont chers en pharmacie et elle nous demande si les populations, Hervé Adounou, ont vraiment le choix. Je dirais bonsoir déjà. Donc, je dirais que les populations ont difficilement le choix. Mais il faut savoir que les médicaments contrefaits sont dangereux. Donc, à ce titre, je conseillerais aux populations de se rendre dans des pharmacies ou de s'adresser aux associations ou ONG qui ont des agréments d'État et qui peuvent recevoir des médicaments sûrs et bien pour la santé. Même si c'est cher. Pour le coût des médicaments, je pense que les États doivent faire les efforts nécessaires, c'est-à-dire mettre en place une politique de gestion des médicaments, d'achat et de distribution pour que le coût soit minoré pour les patients et pour toute la population. Oui, c'est dangereux, hein. Je rappelle que 50% des médicaments contrefaits dans le monde sont écoulés sur le continent. Un exemple, en 1995, le Niger avait reçu un cadeau empoisonné à un pays dont on va taire le nom. Lui avait fait don de faux vaccins. 2500 patients ont péri. Donc Alors, c'est dangereux. justement, Linda, Chloé Emma, qui vit à Montpellier, nous demande d'où viennent ces médicaments. Il faut savoir que la plupart des médicaments contrefaits viennent de deux pays principaux pour 75% d'entre eux. Donc la Chine et l'Inde sont les deux pays principaux à partir desquels on écoule les médicaments contrefaits. Et en Afrique, Et il... en Afrique, le seul site de production à notre connaissance actuellement, c'est le Nigeria. Après, il y a plusieurs sites de distribution. Alors l'OMS estime que l'Afrique paye un lourd tribut donc à ce trafic de médicaments. Chaque année, 200 000 décès sont directement imputables à la contrefaçon. Alors justement, Cornelia Kalete, qui est en République démocratique du Congo, nous rappelle que son père avait développé une insuffisance rénale à la suite d'une fausse piqûre de quinine. Alors quelles sont les principales maladies que l'on développe quand on avale ces médicaments? Je dirais, je ne parlerai pas en termes de maladie, mais je parlerai plutôt en termes d'impact sur la santé. Donc, il faut savoir que la plupart de ces médicaments sont éliminés par voie urinaire, par voie fécale et par voie hépatique, c'est-à-dire par le foie. Donc, les trois principaux organes qui seront impactés par ces faux médicaments, je viens de les citer. Mais autrement, on peut parler aussi en règle générale et dire que toute la santé sera déclinante à partir de faux médicaments. Donc, je conseille vivement aux populations d'aller vers les pharmacies et vers les associations pour prendre des vrais médicaments pour leur Alors, santé. plusieurs téléspectateurs et internautes dénoncent ce trafic de médicaments, mais ils reconnaissent en même temps qu'il fait vivre des milliers de familles. Des familles que l'on trouve d'ailleurs dans les marchés. Et John Adam Beto nous demande comment est-ce qu'on peut distinguer les bons des mauvais médicaments. Au risque de me répéter, je dirais que les bons médicaments doivent être trouvés en pharmacie ou en officine, ou dans les associations dûment habilitées à les distribuer. Autrement, si on se trouve sur le marché ou d'autres lieux non habilités pour la distribution de ces médicaments, tout le monde peut convenir avec moi que nous courons un danger, puisque ces médicaments ne seront pas conservés dans de bonnes conditions, donc nous aurons affaire à des médicaments déficients. Donc on a bien compris, il ne faut pas acheter les médicaments dans les rues, il faut donc aller les acheter en pharmacie. Merci Hervé Odonou, merci Lise Merci, Loretia, Linda. et puis un grand merci à vous pour vos commentaires et vos questions sur notre page Facebook. Un mot de football avant de se quitter, direction Philadelphie aux États-Unis.